respect, petit peu par petit peu, mais oui. Vivement beau, j'ai envie d'en prendre. C'est la mère ou le père? Alors là, c'est le père qui est là et la mère, elle est là. Oh, ils sont beaux. Merci, c'est gentil. Comment ça, des chiens loups? C'est une race croisée avec un loup. Ah oui, mais à l'origine, il y a longtemps. T'as combien de jeunes? J'en avais 4, il y en a un qui est parti, il m'en reste 3. C'est des loups. Non, c'est des chiens loups. Ils ont bien grandi, oui. Ils mangent quoi? Viande crue à bas et au charnu. Le père n'est pas d'humeur à jouer. Non, non, pas vraiment. Ça, ils disent que par l'intervention humaine. Oui, je confirme. Quel âge a tout le monde? Alors, le papa, il a 2 ans et demi quasiment. La maman, elle a 3 ans. Et les petits, ils ont 2 mois et demi. Les parents, c'est des chiens loups aussi. Oui, oui. Comment tu fais pour les promener? Alors là, depuis qu'elle est petite, c'est un petit peu compliqué. Je les sors moins souvent. Sinon, je prends ma voiture ou je les sors très tôt le matin devant chez moi. Enfin, j'ai un espace vert. Donc, mais là, sinon, je prends la voiture et je les emmène à la campagne. C'est un peu compliqué. Bon, je suis jamais tout seul, mais voilà. Oui, le papa est croisé avec un chien loup et une louve. Et cette taille... Oui, ils sont grands. Oui, ils sont assez grands, les petits. C'est des Tchécoslovaques. Oui, c'est des chiens loups, oui, c'est des chiens. Alors, c'est le papa. Mais non, ça, ils leur font pas mal, vous inquiétez pas. Vous les vendez. Oui, les petits sont adoptés, oui. Mais je sais chez qui ils partent, là. Est-ce qu'ils hurlent? Oui, ils hurlent, oui, oui. Bah là, ça fait 2 jours qu'ils hurlent le matin. À 6h du matin. Ils sont pas catégorisés au niveau de la loi? Faut... Non, 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 rien du tout. Pas encore, en tout cas. Tu leur donnes pas du tout de croquettes. Alors au début j'avais commencé au tout début que je les ai eus. Elle a été directement en barf, mais lui au début je faisais 60 barf et 40% de croquettes et puis j'ai diminué et là maintenant j'y donne une petite ration de croquettes avec un mélange de légumes et de fruits, mais vraiment léger. Il est à 99% au barf. Il est où le loup? Alors ça dépend. Je les enferme pas, non. Enfin, avant j'avais un grand terrain, donc je les enfermais pas, je les lâchais dans le terrain, qui était à peu près comme celui-là, mais 3-4 fois plus grand. Sinon, quand je vais en balade, ça dépend. Soit ils sont en longe, et ça m'arrive de les lâcher, oui, mais quand il y a vraiment personne autour. Ah super, tu as trouvé des adoptants. Oui, j'ai trouvé des adoptants, oui. C'est pas compliqué à éduquer, enfin plus que. Oui, oui, non, oui, c'est compliqué. Il faut pas se mentir, c'est compliqué. Ça coûte combien environ? Ça dépend. Dans les élevages, c'est aux alentours des 2000 euros. T'arrives à avoir une bonne selle avec les barfs? Oui, il faut... en gros, il faut... pour avoir des selles dures, il leur faut des os charnues. Donc pas mal d'os qui puissent mâcher qui, et normalement ça solidifie les... Mais oui, j'arrive à avoir des belles selles. Enfin, j'en ai tout le temps, quoi. Ça a...